Dans la vidéo, ça, nous allons continuer avec les méthodes de l'objet string. Alors, ces dernières vidéos, côté nous allons présenter et méthodes, quelques méthodes de classe string. Hein. Dans la vidéo qui vient après, nous allons voir que nous sommes capables de créer propre méthode par nous, parce que c'est très important. Alors, c'est vrai, Eclipse, hein, alors Java, les charger méthodes, nous sommes capables d'utiliser, mais des méthodes toutes faites, mais les plus intéressants lorsque nous sommes capables de créer propre méthode par nous. Alors, et nous allons continuer avec la présentation de méthode new. Je dis à nous parler une méthode qui est liée et chaâtre, ok, qui est écrit comme ça. La méthode chaâtre. Alors, la méthode chaâtre, pour qui ça là, c'est une méthode qui permet d'extraire un caractère dans une chaîne. Pour cela, nous prenons un exemple. On a créé une variable de type string, par exemple, qui est liée ma phrase, par exemple. Ok, donc ma phrase. Donc, par exemple, on dit, je programme en Java. Donc, c'est ça, hein? Donc, on dit, je programme en Java. Et un point virgule. Donc, ça, c'est phrase mère. Donc, là, on crée une variable de type string. Et on stocke la variable ça, une phrase qui c'est je programme en Java. Qui ça me voulait faire? Moi, je voulais récupérer, par exemple, lettre JA pour m'afficher dans la console là. Et bien, qui j'aime faire ça? Étant donné son caractère, m'a déjà créé une variable de type char qui est lettre, par exemple. Ok, donc on crée une variable de type char. On va l'utiliser la méthode, on va appeler la méthode char et que le programme est déjà préparé dans Java. On va l'appeler sous variable moyen qui est stockée chez nous et on va dire mais qui lettre pour les récupérer. Alors c'est indice lettre là, pardon, on va le bali. Qui pral, c'est un indice lettre capitaux, mon pral bali, qui pral permettre à ce que l'idim, mais qui lettre qui correspond à un indice là. Alors, comment ça a fonctionné? Et mais tout d'abord, mon point variable là, j'ai noté qu'on est principe là, c'est variable là, et puis point méthode là. La point méthode char at. OK? Et entre parenthèses, où est demandé un arg 0, ça veut dire un argument. Par exemple, m'a mis 0, m'a expliqué nous qui ça c'est 0, et puis m'a stocké résultat. Dans variable moyen, ok, dans variable de type char que moi t'ai préparé. Alors qu'est-ce que ça me fait? Moi prends variable moyen, ok, qui stocke phrase là. Moi appelle la méthode char at souli et moi stocke le nom variable de type char que moi t'ai créé. Raison c'est parce que résultat action ça veut dire les m'appeler méthode ça sous variable de type string moi t'ai créé. Résultat a un caractère. Et mais c'est ça que fait, il faut que tu aies déjà une variable de type char pour capable stocker le résultat là-dedans. Pour que ça mette 0, et mais 0 c'est tout simplement un indice relé. C'est même avec le système tableau que nous avons créé, nous avons fait déjà. Yo. Donc, mon conseil, nous retourner là-dedans si toutefois nous ne pas trop comprendre, nous pas comprendre. Et très bien, parce que c'est très important. Et ça, c'est comme si c'est un tableau de chaîne, son tableau de caractères qu'il y a. Ça veut dire phrase ça, ou bien chaîne ça. Donc, et nous connaissons le tableau, et chaque caractère, il y a un indice sous tête, et tableau, l'indice commence dans 0. Et bien, moi, je voulais récupérer la lettre J, et bien, indice, il y a 0. Si je voulais récupérer la lettre E, indice, il y a 1. Donc là, moi, je mets 0 en valeur de l'attribut char-at, et bien, moi, je voulais récupérer le premier caractère qui est dans la chaîne. Donc, ça, les arguments, nous avons pour ça dans les après pour méthode pas nous, pas inquiéter nous. Donc, nous allons essayer d'afficher le résultat dans la console, là. Afficher la variable lettre. Qu'on a, on a mis 6 à route. OK. 6 à route. Et copie. OK. Coller. Donc, si nous essayons de compiler le programme, ça, logiquement, c'est supposé afficher J dans la console, là. Exactement. OK. Voilà. Donc, raison, c'est parce que j'ai envie d'expliquer nous, hein. L'I prend, l'I a passé en revue, eh bien, tout caractère qui est dans le tableau, hein, méthode là, et l'I ouais, indice 0, on me dit là, c'est J qui potait. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, mettez, si je dis, par exemple, récupérer la lettre P, ok, et même, on va le balayer, indice P. Par exemple, qui est indice P? Eh bien, J a poté indice 0, E a poté indice 1. Pabli espace surtout yon gon indice. Donc, premier espace a pote indice 2 et P a pote indice 3. Donc, si mette 3 entre parenthèses comme argument, la pa fiche P. OK?
Donc, nous compiler. Voilà, il affiche P. Donc, en gros, c'est comme ça, système. Alors, la méthode SHA-HTT, il fonctionnait. Donc, nous sommes capables de prendre l'habitude de faire ces exercices. Ce sont des méthodes qui sont vraiment intéressantes. Nous avons besoin de plus de devant. OK? Alors, deuxième méthode que je voulais présenter, nous, c'est la méthode substring. Méthode substring, dans lui-même, pour qui ça lit là pour lui récupérer une partie de la phrase ou bien un mot. Par exemple, si je voulais récupérer programme, t'as là, nous sommes récupérés un caractère, mais je voulais récupérer le mot programme dans la phrase mère. Et bien, c'est vraiment simple. Je vais effacer tout ça pour que vous compreniez. Je vais récupérer un mot et je vais créer une variable de type string qui va recevoir moi. OK? Donc, si nous voulons, nous sommes capables de mettre l'égal à une chaîne vide. OK? Donc, pas de problème. Donc, c'est toujours le même bagage là. Ou sinon, nous sommes capables de quitter la variable là. Et comme ça, donc, c'est le même bagage là. Donc, pas aucun problème dans ça. Donc, nous créons une variable de type string qui va recevoir mot. Donc, le mot programme. Et bien, pour me récupérer le mot programme, dans la phrase moyenne, je vais utiliser pour cela la méthode substring. Et bien, c'est le même bagage là. Je prends variable qui stocke phrase là. Point méthode moyen. Donc, nous avons songé ça, je t'ai expliqué ça dans la vidéo qui devine après. Donc, la méthode substring qui est comme ça. OK? Substring. Et puis, entre parenthèses. Mais méthode ça, nous allons voir les grandes particularités. Tout d'abord, il prend deux arguments. Moi, dis-nous, pas inquiéter nous, système argument m'a expliqué dans la vidéo qui vient après, qui va aller, écoutez, va le montrer nous, qui vient pour nous créer propre méthode par nous. Donc, premier argument, il prend, c'est indice première lettre dans mot. OK? Et puis, deuxième argument, c'est indice dernière lettre dans mot que vous voulez récupérer à plus 1. Donc, nous allons expliquer ça. OK. On continue avec l'exemple. Moi, je voulais récupérer le programme, pas vrai, pour m'afficher dans la console là. Dans la phrase là. Quand on va commencer par l'indice premier, indice et premier caractère, non, qui c'est P, qui est indice P? Indice P, c'est 3, pas vrai? On va commencer 0, 1, espace là fait pour l'indice 2, et puis P a pour l'indice 3. Donc, premier argument, c'est 3. Mettez virgule, espace. Quand on va prendre indice dernier caractère qui est dans moi, qui c'est E. Et on va continuer. Et R la protéine indice 4, OK, 5, indice 6, indice 7, indice 8, indice 9, 10, et puis E la protéine indice 11. Donc là, logiquement, je suppose mettre 11. Mais nous parlons de qui particularité, méthode substring dans les gains, que je me parlais de l'IA. Donc logiquement, si je suis affiché instruction ça dans la console là, OK, donc je vais stocker tout d'abord dans la variable de type string que nous avons gagné. Donc, quoi que nous habituons avec syntaxe ça, on y est. Donc, je vais essayer d'afficher. Logiquement, c'est supposé afficher le programme. Normalement, c'est supposé afficher. Mais nous parlons, ce n'est pas le cas. Nous parlons qui sert à l'afficher. Ben nous. Donc, nous compilons, voilà. Well, il affiche le programme sans dernier EA. Sans EA. Raison, c'est parce que méthode substring, là, eh bien, il exigeait dernier indice là, il exclut. Étant donné les derniers indices là exclus, et mais pour afficher, pour récupérer les derniers et caractères qu'il envoie, on est obligé de mettre indice là plus 1. Indice là, et c'était 11, et même mettre 11 plus 1, ça veut dire 12. Donc là, on dit là, avec astuce ça, l'a récupéré tout et moi. Donc si nous essayons de compiler, maintenant l'a affiché moi normalement, correctement. OK, voilà, sans ne pas couper. Donc en gros, c'est comme ça. Méthode substring, il fonctionne. Donc, si toutefois nous ne pas comprendre, eh bien, nous sommes capables d'essayer de retourner la vidéo hein, pour nous capables de comprendre plus bien. OK? Donc, c'est ça. Donc, nous allons continuer avec d'autres méthodes. Maintenant, et pour les amoureux de maths, donc, nous avons des méthodes Java a des méthodes. Qui travaille avec lui pour mathématiques. Mais avant, nous voulons présenter deux autres méthodes. Pardon. Nous voulons présenter deux autres méthodes qui c'est la méthode index of. Alors, méthode ça, yo important. Donc, pensez que nous avons une utilité lorsque nous avons programmé. Par exemple, nous gagnons la méthode index of. Contrairement à la méthode SHA-HTT et la méthode substring, alors index of, il écrit comme ça. Ok, il y a une notation Camel case.
La méthode index of lui-même, ça le fait, il a pour lui chercher un caractère, mais caractère ça, c'est indice il a pour retourner là-haut. OK? Autrement dit, il retourner position caractère là-haut. Par exemple, si je passe en valeur de l'attribut index of la lettre P, eh bien, il va retourner pour moi indice PA, ou bien position P dans la phrase là. Alors, nous prenons un exemple pour nous comprendre ça. Par exemple, moi, je voulais récupérer la lettre P. J'ai dit ça. Moi, par exemple, je vais créer une variable de type. Alors, c'est indice là pour retourner. Il faut que nous disions que c'est une variable de type int pour nous créer parce que indice là sont chiffres liés. OK, donc, son chiffre parce qu'il va retourner un chiffre. Donc, son variable de type int. Par exemple, moi, je dis position. Moi, je dis position. Ou bien, moi, je dis indice pour pi original. Indice. OK, on crée une variable de type int. C'est même bagarre là. Donc, même principe là. Nous, juste prenons une variable nous, qui stocke phrase là. OK. Point méthode là qui c'est index of. OK. Point index of. Et là-dedans, nous allons mettre caractère nous, qui c'est p. OK, qui c'est p. Alors, ça c'est 9, c'est pas p. OK, voilà. Donc, c'est ça. Hein. Donc, P. Donc, ça, là, j'aimerais t'expliquer ça. Il va retourner position ou bien indice PA. Qui position P ou bien qui indice P dans ça? C'est 4. C'est 3. Parce que J pour indice 0, E pour indice 1, espace A pour indice 2, P pour indice 3. Donc, logiquement, le symétrie, par exemple, stocker phrase et résultat dans variable moyen. OK, non, c'est pas. C'est indice. OK, je stocker résultat dans variable moyen. Et maintenant, on va laisser afficher. Donc, on fait 6 à route, contrôle espace. Donc, là, il est supposé afficher 3 parce que P a trouvé dans la troisième position. Donc, si nous compilons, et effectivement, l'hypothèse, il a affiché 3 parce que 3, c'est indice, et PA, c'est indice 3. Donc, même j'entends pour ratio. OK? Donc, si vous mettez R là-dedans, eh bien, la mettez 4. Là, va afficher 4. OK? Maintenant, c'est comme ça, méthode index of a fonctionné. Donc, nous sommes capables d'utiliser ça, nous avons parcouru une série de valeurs. Nous, quand même, nous avons une utilité. Moi, fais nous confiance, je crois que nous avons une utilité de méthode ça. L'autre méthode que nous. Alors, nous sommes capables de chercher, bien entendu, un mot tout. OK? Nous sommes capables de chercher un mot avec index of. Par exemple, imaginez, je vais chercher le mot wo. OK, je vais chercher le mot. Et bien là, je vais mettre, non pas entre guillemets sains, mais entre guillemets doubles, parce que ce n'est pas un caractère, je vais mettre wo. OK, donc là, je vais dire chercher wo. Donc, nous parlons qui indice qui parle côté. Non, logiquement, qui indice nous t'a dit? Nous t'a dit peut-être c'est indice 5, c'est ça? Mais non, regardez bien pour elle. Le mot wo, et mais les considérer un seul indice. Regardez qui ça va afficher. Logiquement, il doit afficher. Par exemple, on commence à 0, 1, indice 2, indice 3, indice 4, et puis OA pour indice 5. Il est supposé afficher 5. Mais en nous compilant pour nous voir qui ça va afficher, nous voyons l'afficher 4. Alors, qui s'est passé? Eh bien, il commence à compter indice, caractère par caractère. Alors, PA pour indice 3. Étant donné que c'est un mot qu'il cherchait, l'arrivée dans OA, il y a un indice pour compte lui. Donc, il y a un indice pour compte lui. OK? Et puis après ça, il continue. Donc, c'est ça qui fait l'afficher 4. Parce que P nous a été indice 3. Mais étant donné que c'est. Alors, OK? Donc, oui, un indice 4. P nous a été indice 3. Et bien, étant donné qu'il cherchait le mot OA, il y a un indice pour compte lui. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc, si c'est même bientôt sous de chercher indice, sous de chercher par exemple programme, donc on copier là-dedans, ok, contrôle V, sous de chercher programme, l'abdou c'est indice 3, l'abdou ça c'est pour indice 0, P a pour indice 2, espace là pour indice 3, alors programme pour indice 4, c'est 4 là affiché. Et après ça, ou après, l'autre, donc
il y a pour ça, pour l'espace, ça pour un 5, etc. Là, on va afficher 4. Là, alors, là, on va afficher 3. 0, 1, 2, et le programme pour indice 3. Effectivement, c'est 3 qui est affiché. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, prends habitude, faites expérience, faites exercice ensemble avec eux. Vous pensez que nous avons besoin eh bien, des bagailles pour nous faire qui est intéressant avec méthode ça. Et l'autre méthode encore que je vais présenter nous, c'est la méthode last index of. OK? Donc, last index of, l'écrit comme ça, c'est last okay, index of, toujours en notation Camel Case. Last index of lui-même, mais pour qui ça est là, il commence à compter sous caractère que vous voulez indice li, vous voulez récupérer indice li, hein? Lui-même, il commence à compter dans la fin chaîne. Nan. Par exemple, index of commence à compter, commence à explorer, chercher indice et les mots de balia dans le commencement, mais last index of lui-même, il commence à la fin. Ok? Il commence à la fin. Mais, il commence à la fin, c'est vrai. Indice livoréa, c'est li commencer à compter depuis au début de chaîne, au commencement. Par exemple, on a pour exemple pour nous expliquer ça. Ok, donc toujours indice là. Je vais récupérer par exemple et indice N, ça. Ok, indice N, ça. Donc voilà, indice N, ça. Donc, kounya, logiquement, mettez last index of. Donc, last, alors c'est phrase moyen, donc les variables historiques phrase moyen, point méthode là, c'est last index of. Donc, c'est ça nous récupérer. Donc, nous dit, moi dit, le caractère que je voulais récupérer indice là, c'est n. C'est n. Okay. Donc, on y a sim stocké et instruction ça dans variable moyen. Ok, voilà. Donc, on y a moyen affiché, c'est sa route. Et puis indice, voilà. Donc, ouais, l'y afficher 14. Alors, ce qui ça le fait, l'y commence à compter là. L'y commence à compter dans point 1. Point 1 pour indice 0, et A pour indice 1, etc. Et puis, l'y vient dans N, qu'on a l'y campé. Mais, le résultat l'affiché, hein, l'y pas dit, c'est par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les jeunes aident dans la campée, ils ne pas continuer. Mais ils retournent dans le commencement, ils commencent à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ils arrivent là, ils sont en 14e position. Et c'est ça qui fait afficher 14e position. Donc, faites l'exercice, n'a pas comprendre, n'a pas qui ils fonctionnent. Mais c'est comme ça, last index of, ils fonctionnent, ils commencent à compter dans la fin de chaîne. Mais résultat, ils baoulent en fonction de premier à commencement et la phrase là, ok? Donc c'est ça. Et on l'autre bagaille encore, si toutefois vous t'as passé sous t'as dit chercher une valeur de l'attribut index of ou bien last index of, vous t'as mis un caractère qui pas existé dans la phrase là. Par exemple, vous t'as mis K. Oh non, c'est pas la phrase là, pardon. Là, ok, vous t'as dit chercher K. Donc s'il va jouer K, là, vous retournez moins 1. Donc, ouais, donc la bretonne moins 1 signifie, eh bien, li pa jwenn let sa nan fraz ou te chèche la dan. Donc, nou ka fè sa, nan sistem, nan program ki pou mande utilizatè la ou bagay, si tout fwa utilizatè la, ou bien rekupere yon informasyon de utilizatè sou pa jwenn li bretonne moins 1, etc. Donc, moins 1, a pati de la, nou ka konen ki sa pou nou fè, afiche yon mesaj, ou bien deklanche yon aksyon, etc. Donc, sa, c'est. Et c'est comme ça, méthode ça, yo fonctionne. Maintenant, nous parlons pour les amoureux de maths. Alors, nous faisons l'autre vidéo. Et vidéo a commencé à un petit peu long là. Nous parlons l'autre vidéo pour les amoureux de maths. Et bien, pour nous, comment nous sommes capables d'utiliser les fonctions mathématiques, yo, et bien, en Java.